Salut à tous, c'est Gentle Fun. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Not So Gentle Games. Donc pour cette vidéo on va retrouver Boomgoesyou2 qui est un membre du clan Phoenix Rising. Donc c'est le clan d'attente de notre clan Phoenix. Donc si vous souhaitez envoyer un gameplay, n'hésitez pas, donc c'est à l'adresse email gentlefunreplay@gmail.com. Au niveau de l'envoi, pour contourner ce problème de taille que vous aurez en envoyant un email, je vous ai détaillé sur le forum partie française plusieurs méthodes pour le faire, notamment par WeTransfer qui je trouve est le site le plus simple d'utilisation. Donc c'est WeTransfer.com, vous verrez c'est assez simple d'utilisation, assez rapide. Donc pour cette game, Boom, je vais l'appeler Boom parce que son nom est à rallonge, est dans son M103 et on va un peu voir la game qui nous a sorti, qui est assez jolie, ses choix, analyser un peu ses choix, ses décisions, s'il a fait des erreurs ou pas. Donc on va passer tout de suite à la game. Donc Boom tombe sur la map Canal en mode suprématie, il avait le mode suprématie activé, il est tout seul. Vous voyez c'est une gamme de tirs à 10 avec 2 tirs à 10 de chaque côté et 5 tirs à 9 de chaque côté. Donc matchmaking relativement équilibré. Vous avez vu sur cette map quand même 4 drapeaux de suprématie, je vous rappelle pas le principe, vous devez le connaître maintenant depuis le temps que c'est sorti. Faut juste savoir qu'il faut gagner 1000 points ou détruire l'équipe ennemie. Donc Boom se dirige comme d'habitude sur la gauche de la map pour accompagner les médiums. Vous avez vu la bassée est en train d'être capturée. Donc ça veut dire que les heavy ou une partie des heavy sont allés au point C et il y aura donc moins de résistance sur le côté de la map. Donc là vous avez vu premier heavy qui est spoté, celui qui est en train forcément de KPC, et comme prédit donc un IS-7, un M103 qui sont spotés. L'équipe de Boom a commencé à KPB, ce qui est plutôt pas mal, ça évite de perdre trop de temps, de prendre trop de points de retard par rapport à l'ennemi. Donc vous avez vu les deux médiums n'ont pas été spotés, là on voit que le Léo a enfin été spoté, ça veut dire qu'ils sont allés du côté gauche de la map. Là, Boom tranquillement va mettre un petit shoot à IS-7. Là, il fait quelque chose que j'aime pas trop. Il descend d'une falaise assez pentue, donc ça lui a causé de perdre ses tracks. Heureusement, il avait personne en face de lui. Mais bon, donc là, 1-2 pour l'équipe ennemie. Il a eu le temps de passer que 2 tirs pour l'instant. La bassée est en train d'être capturée par l'équipe alliée, elle s'est fait décap, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pousse. Donc là, il passe un joli snapshot sur le M103, il va continuer à avancer, mettre la pression, il bounce le tir du M103. Et là, il se retrouve dans une position assez tricky, il est entre deux feux, il est dans l'open, donc là, il a intérêt à bouger très rapidement sur le Léopard 1. Pour pouvoir sécuriser un flanc. Donc là vous voyez what the fuck qui arrive, il est totalement aware, joli réflexe de Boom qui serait HE, malheureusement ça perce pas, ça a dû taper le canon, donc il n'a eu fait que 130 dégâts. Donc là Boom va pouvoir finir tranquillement le Léo qui regarde ailleurs et engager le STI qui a l'air de poser pas mal de problèmes au Centurion 71 et au T54. Donc encore un joli tir en mouvement de sa part, il arrive à très bien à utiliser le toit, mais là il fait quelque chose de très intelligent je trouve. Il met sa caisse en face de la position où il pense que l'ennemi se trouve, ce qui lui permettra ce qui lui a permis si jamais il se faisait tirer dessus d'avoir une probabilité un peu plus grande de pousser le tir ennemi, sachant que le STI ne regardait pas. Donc là, what the fuck, encore très aware, Boom il a pu lui passer une petite HE, il lui a défoncé la moitié de l'équipage ou la moitié de ses modules, et il va lui mettre la pression, vous avez vu, what the fuck, vraiment pas très aware. Donc là on est à 4-5, bientôt 5-5. Donc Boom va le finir tranquillement. Il reste deux tiers 9, dont un Centurion 71 qui avait été spoté full life. Et vous avez vu là, c'est... je ne sais pas, c'est peut-être le T54 qui campe de l'autre côté. Eh ben non, le T54 est spoté de l'autre côté. Donc là, Boom va tout de suite aller à sa rencontre pour essayer d'aider son T54 qui commence à être très bas en vie. Ils vont relativement bien travailler tous les deux, même si le T54 n'a pas l'air forcément très très bon. Ça va permettre à Boom de facilement engager l'ennemi et bah, vous voyez là, le T54 a malencontreusement bouncé sur l'ennemi, donc Boom va essayer de le tirer dessus. Malheureusement, il ne fait que la traque. Donc là, très bon réflexe, vous avez vu 780 points pour les rouges. Boom devait absolument choper une base pour passer devant au niveau du nombre de bases et donc faire monter ses points plus vite. Donc là maintenant il va pouvoir mettre la pression sur le T54 qui a l'air de paniquer en étant à 154 HP. Donc Boom est toujours full life et a très bien géré. Joli snapshot en auto-aim, rien à dire, maintenant plus que... je sais même pas pourquoi j'ai dit Centurion, c'était un E75. Donc Boom va aller essayer de capturer le point V et là il tombe sur le 75, les deux Booms, l'un tire dans les tracks, l'autre je ne sais pas trop où, et vous savez que M103 a un bien meilleur temps de rechargement que le 75, donc il va pouvoir en tirer profit. Hop, et sur le bas de caisse ça passe très bien, il a l'avantage de... des HP, il va pouvoir tranquillement le finir, il y a encore du temps, il reste 150 points, voilà, il est plus qu'à 80 HP, il n'a plus d'AP, il va devoir passer à la hit pouvoir le finir. Malheureusement vous allez voir, ah non pas malheureusement, je croyais qu'il allait bouncer, parce que c'est ce que fait la hit quand vous en avez besoin, donc très joli game de sa part, 4 kills, vous allez voir des dégâts assez sympas. Donc il a fait 5680 dégâts, la Master, la Top Gun, tireur de précision, il a carré comme un gros porc, 19 tirs, 19 qui touchent, 18 qui percent, bah c'est le canon du M103, vraiment très sympa pour un canon de vie, un Alpha 400, rechargement relativement rapide, donc vraiment sympa. Il a fait quand même 31 000 de profit en tirant une hit à la fin parce qu'il n'y avait plus d'AP. Au niveau de sa game, vraiment très bien de sa part, j'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est le fait qu'à un moment il s'est retrouvé un peu entre le marteau et l'enclume je dirais, au moment où il s'est retrouvé sur le pont, il aurait très bien pu se faire déboîter par la droite ou par la gauche ou les deux en même temps, c'était un mouvement un peu risqué de sa part. Si le what the fuck avait été un peu plus aware, il n'aurait pas forcément fini aussi bien en HP. Mais bon, à part ça, très bonne gestion, il connaît très bien son char et sa zoa, il connaît très bien son blindage, le temps de rechargement de son canon et de celui de ses ennemis, donc c'est ce qui a permis de prendre facilement avantage sur le 75. Sinon au niveau erreur qu'il aurait pu faire, je n'en vois pas d'autres. Je voulais vous montrer cette game tout simplement parce que c'était une très bonne gestion de sa part d'une game suprématie, ça veut dire quand il a vu qu'il était en retard au niveau des points, il n'a pas forcément cherché à attaquer les ennemis, il a tout d'abord pensé à rattraper la différence de points en prenant une base de plus, et ensuite une fois ces deux bases sécurisées, il a pu tranquillement chasser le T54 et le 75. Donc je pense pas que beaucoup de gens auraient eu la présence d'esprit de le faire, moi je pense pas que j'aurais eu. J'aurais voulu absolument tuer le T54 pour aller chercher la deuxième base, et c'est peut-être on va dire ces 10 secondes qui auraient servi à tuer le T54 qui m'aurait manqué pour choper la base avant que le 75 arrive. Donc très bien joué de sa part, ouais, très bien géré, je pense pas qu'il ait beaucoup sué sur ce type de tir. Donc là je recharge, il reste 3 secondes et on va pouvoir engager vraiment très bien joué avec une team qui n'était pas forcément les plus douées sur sa route de King. Bon, l'équipe est très mal, mais Ça vous permet de voir plus ou moins ce qu'il faut faire en suprématie. 3 secondes, c'est la puissance de ce chien. Donc en face, ils ont quand même un peloton de Cruiser 3 qui est aussi connu pour son DPM monstrueux. C'est pas celui d'un Kenny, mais ça s'en approche. Donc attention tout de même. Là, il reste un petit Kenny qui m'a roulé et one shot. Donc je finis, je recharge. J'ai le temps. Et on va pouvoir engager les ennemis dans leur face. Donc là, le Cruiser 3, tranquillement, je me fais plaisir. Ensuite, le loot, voilà, vraiment, c'est du tir au pigeon. Il n'y a pas forcément à forcer le talent pour conduire ce genre de char. Donc, Fly s'est pris quelques tirs quand même, mais vous allez voir, on va finir tranquillement le Cruiser, le loot et le dernier Cruiser 4. Donc, c'est Fly qui va le finir, voilà. Cette fois-ci, j'ai 5 kills, Fly en a 2, on s'est fait les 7 kills. Une victoire ou une défaite, pour moi, elles ont tout un intérêt, donc n'hésitez pas, franchement, plus j'en reçois, mieux c'est, et plus j'ai de choix pour mettre sur la chaîne, mieux c'est. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, qui sera encore une vidéo de Not So Gentle Games. Allez, salut!